Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui... Faut que je me barre de cette plage. Pour l'épisode 13. Et le chapitre 13. Tu m'entends ? Peut-être plus haut le long du rivage. Oh, c'est délire. On se retrouve du coup, juste après la scène d'opening du jeu, la bataille en bateau. Et nous sommes donc sur l'île où se trouverait potentiellement Libertalia, la cachette secrète des pirates qui se sont tous rassemblés. Et je ne sais pas du tout où aller. En fait, j'ai même l'impression de tourner en rond pour être exact. Je ne sais pas s'il fallait que j'aille à gauche, à droite. En tout cas, on vient tout juste d'arriver sur l'île et okay. Ce temps est déboussolant. Chaque chose en son temps. D'abord, prendre de la hauteur. Règle numéro 1. Prendre de la hauteur, savoir où on est. On est d'accord, mais... Ah. Sam, allez, réponds-moi ! D'accord. Allez, on va passer par là, je pense. Parce que là, c'est vrai qu'on a perdu Sam, quoi. Et on doit pas être bien seul, hein, dans cet endroit. Non, je peux pas... Ah, mais attendez, je tourne en rond. Je tourne clairement en rond. Pourtant, j'étais sûr que... Ah, mais c'est parce que, voilà. Ça avait pas marché la première fois que j'ai voulu passer au-dessus. Bah écoutez, le personnage est perdu, je suis perdu aussi, c'est plus cohérent, on va dire comme ça. On est... Vous êtes davantage immergé dans l'action. Sam, merde ! Sam ! Ça, c'est pas notre bateau, hein, par contre, là-bas, qui brûle. Hein. Oh là 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 là, cette tempête. Sam ! Ça pourrait tout à fait empirer, en plus, hein. Sam, t'es là ? Ne glisse pas, ne glisse pas, ne glisse pas, ne glisse pas. Oh génial, notre caisse de vivres. Ah, c'est... Évidemment. C'est vide. Et j'y pense, c'est peut-être Sam qui a tout pris. Ce serait étonnant, il aurait peut-être laissé la moitié quand même. Je sais pas. Faut voir le côté positif, je ne peux plus rien perdre. Par ma vie. Il a perdu son frère, il a perdu sa femme. C'est le premier signe de la folie. Je commence à me parler. Bordel. Ce que j'aimerais pas, c'est une espèce de tsunami. Je vais bien. Je vais. Ouh là là. Ça va passer. Ça va passer. Vous savez ce qu'il doit ressentir, cette espèce de douleur là qu'on a dans tout le corps lorsqu'on chute comme ça? Cette onde de choc de douleur. Plus la fatigue, hein, parce qu'elle a dû nager comme un fou pour rejoindre l'île. Donc autant dire que sa situation, aïe aïe aïe, n'est pas incroyable. Hein. Ça, on était capable de le faire avant, là, il n'y arrive même plus. Pour vous dire. Allez, accroche-toi. Allez, mec, quand même, c'est bon. Ok. On va passer par là. Allez, ça, on le faisait en 2 secondes, hein. Là, ça a bien changé. Faut continuer. J'ai hésité à sauter, mais ça me semblait pas particulièrement une bonne idée. Je peux pas aller en bas, là? Non, pas encore. Et ils ont super bien refait la fatigue du personnage, je trouve. Franchement, on le vit vraiment. Allez! Un peu trop, peut-être, même. Grimpe! Merci, quand même. Ça doit être de l'eau pure, ça, du coup. Au moins, on va pas mourir de soif. Hein. Ah, c'est par là. Si, je dois pouvoir, pourtant. Allez, accroche. Ouais. Eh ben non. Aïe. Je m'attendais pas à ce qu'on chute, hein.
pas Vismania. Sam. Allez. Où est-ce que t'es ? Merde. Magnifique. La musique, l'ambiance. Pas, Sam. Je viens te chercher. Regardez, regardez, je me stoppe deux secondes. Pour que vous puissiez en profiter. Magnifique. Et c'est un des décors, je pense, qui a été le plus soigné parce que si vous avez un peu suivi toute la communication autour du jeu, c'est l'un des premiers environnements en fait qu'on a pu voir en vidéo. La première phase de gameplay se passait en fait sur cette île. Et c'est pour cela qu'ils ont mis le paquet dedans. Attendez, il y a une grotte là? Pas du tout. On tente un saut? Allez, on tente un saut. Je sais pas qui c'est qui fait ses griffes à chaque fois sur les murs. J'aime bien ce qu'ils ont fait, la nouvelle façon d'escalader où on choisit finalement notre accroche. C'est plus réaliste. C'est plus calme aussi. Plus lent. Mais c'est plus réaliste. Hop là, évitons tout de même de foncer. J'avais pas vu, mais il y a un passage là, juste à côté. Je m'attendais à ce qu'on se fasse tirer dessus et harceler par 25 milliards de personnes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. La phase en bateau, on l'avait déjà joué au début du jeu, donc ils nous l'ont skippé à la fin de... Enfin, au début de l'épisode. Je sais pas trop pourquoi je vais là. Hein. Hop, 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 hop. Pourquoi je vais là, moi? Tellement de passages différents en fait pour vous dire. Mais ouais. Juste pour voir celui-là je le prends. Hop. J'ai l'impression que. Ouais, il y a plein de passages différents. Allez. C'est assez drôle. Faut que je monte. Je vais essayer de grimper en haut de cette tour. Hop là. Non 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 non. Ça fait une sacrée chute. J'ai eu du bol. Heureusement qu'il y avait une petite mouette. Heureusement qu'il y avait une petite mouette qui nous a regardé chuter. Va-t'en la mouette. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que Nathan chute, il y a toujours systématiquement quelque chose en dessous pour se rattraper. Tant mieux hein. J'ai pas envie de mourir là, toutes les 30 secondes non plus. Pas quoi faire là. J'aimerais bien m'accrocher ici, mais. Ah oui, quand même, ouais. Bah écoutez, pourquoi pas, c'est expérimental, mais allons-y. Je suis pas un pro de l'escalade, hein, je serais pas capable de dire si c'est physiquement possible ou pas tout ça. Ils ne sont pas non plus tout proches. C'est une bonne distance qui nous sépare. Il y a un truc là où j'y vais ou j'y vais pas? Allez, j'y vais. Oups! Petit saut qui n'était pas prévu. Regardez. C'est génial quand même que tout se soit mis de façon à ce qu'on puisse passer un peu n'importe où. Ouais, c'est pas vraiment par là par contre. Je suis même pas certain que ce soit par là non plus. Oh ! Wow ! Petite feinte. C'est absolument pas par là.
Ben, je vois qu'il y a des accroches là, mais je pensais pas que. Je pensais pas que j'aurais besoin d'y aller. Ah, oh, bah génial. Génial. Ça faisait longtemps. Alors, pour le coup, je vais pas me plaindre. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je sais pas pourquoi il s'est pas accroché pour le coup. Attendez, là c'est pas mal ici aussi. Non, en fait c'est totalement nul. Bah écoutez, je vais m'accrocher à ce pilier là. Qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. J'essaie de. De repousser le moment où m'accrocher dessus, mais. Y'a pas trop le choix en fait. Ah bah voilà. Ouh. J'ai même pas vu qu'il y avait une accroche, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah super, le petit passage, l'écoulement d'eau qui venait d'ici. Y'a pas un truc à manger là? Ça se mange ça? Une longue vue. Non, ça se mange pas. J'espère juste qu'on va pas avoir à nager sous l'eau là pour passer dans des petits passages. Je suis pas non plus claustrophobe, mais c'est pas la meilleure des expériences non plus à faire. De nager dans une grotte sous l'eau sans savoir où est-ce qu'on pourra reprendre de l'air. Ah, salut. T'aurais pas vu passer un type par hasard? Plutôt grand, maigre et assez bête pour chercher un trésor de pirate. Il y a un trésor là? Ah, c'est pas de chance, hein. 20 mars 1808, j'ai parlé à Burns ce matin alors que nous terminions les préparatifs pour quitter les grottes. Notre équipage et nos vivres diminuent, j'ai demandé à rentrer au pays pour que nous puissions revenir avec plus d'hommes et plus de matériel. Burns a ri. Il a ri, il a répété sa litanie, le trésor est à portée de main. Je lui ai tenu tête, même si nous devions trouver le trésor d'Avry, avec un seul bateau nous aurions déjà à peine assez de place pour nous tous sans compter la place prise par le trésor. À présent, Burns s'approche de moi, sourire sur le visage et me conseille vivement pour le bien de l'expédition de ne pas fomenter de dissension au sein de l'équipage. La menace derrière ces mots était évidente. Que ces imbéciles aient en enfer, je n'ai aucunement l'intention de mourir ici et de n'être plus que quelques mots dans le livre de cet homme. Si Burns pense que cet endroit est Libertalia, s'il veut poursuivre l'aventure, alors lui et les autres le feront sans moi. Je vais quitter ce groupe aux premières lueurs du jour. Nous verrons comment ils s'en sortent sans navigateur. Ok. Donc toi déjà tu es mort. Faut que je grimpe, c'est ça? Plus de sac. Et là, je sais pas qui c'est du coup. Il a voulu tenter un saut à la corde, je pense. Et ça a pas trop marché, j'ai l'impression. Salut. Attends, t'essayais de grimper là-haut? Avec ses bottes? Essayer de grimper. Ah, ça se moque, mais bon, hein. Plouf. Je suis sûr que t'as pas besoin de ça. Vous avez récupéré le piton. Pouf. Pas mal. Je sais pas ce que j'ai pitonné, mais... Ouais, ça marche. Mais je pitonne. Oh bah écoutez... Je peux aller là-haut, non? Je comprends pas, la caméra semble nous dire d'aller sur la gauche, mais je n'y arrive pas en fait pour tout vous dire. Donc... Ah d'accord, fallait sauter avant de pitonner. Ok, j'ai compris. Oui, j'invente des verbes, hein. Je crois que ça veut rien dire pitonner, mais bon. Ah, on n'est pas à ça près non plus. Regardez. Un petit saut pitonné. C'est parti, pitonnons. Et voilà. Il y a des mouches dans tous les sens ici. Ah là, on arrive au cœur de l'île. Hein. Plus on avance et plus on pénètre dans le cœur de l'île. Est-ce que je... Oh, je me pose même plus la question maintenant, je saute. Allez. Soyons fous. Merde. Mais... C'est sur des oiseaux, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des ennemis, tiens. On va les pitonner. Oh, laissez tomber, les gars, fausse alerte.
mais restez sur vos gardes. Fausse alerte, le mec il se met à tirer sur des oiseaux. Oh, fausse alerte, c'était qu'un perroquet. Retournez à vos postes. Bon, il y avait vaguement cette voix là. Alors c'est lequel qui t'a repéré? Le grand frère. Il a touché quelques-uns de nos gars. Ils ont repéré Sam déjà. On n'ira pas trouver ton cadavre. Je dirais quoi? On va s'en débarrasser de ces gens. De gars. Oh là là. Oh là 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 là. Ils vont trouver l'homme à terre, mais c'est pas grave. Ah merde! Encore un homme à terre! On sait que t'es par là! Pas du tout. Regardez, hop! Mais reviens là, toi! Je sais même pas où est le dernier en fait. Oui, ils sont là tous les deux. Je le vois, là. Allez. C'est bon, je crois qu'ils sont tous morts. Ah bah non. Salut toi. Mais d'où venez-vous? Vous voulez participer à la fête, vous aussi? Je savais pas du tout qu'il y avait du monde ici. Attendez, je vais juste tuer le dernier, là. Mais c'est pas possible, ils jouent à cache-cache ou quoi, ces mecs? C'est bon. Non, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à cache-cache avec ces gars, quoi. Ils se cachaient, ils apparaissaient, ils disparaissaient. Hop là. Ouh, par contre, il y a un peu de monde là-bas aussi. Non, 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 non. Ouf, c'était limite, ça. Touche pas. Ah, ça a pas marché. J'ai voulu l'assassiner. Je sais même pas si c'était possible, j'ai voulu lui tenter un assassinat. Oh, oh. Avec ma corde, là, en lui tombant dessus. Oh, mais génial. Je comprends pas. Le mec, il est au-dessus, il arrive à tirer à travers les rochers, je crois. Ah, c'est, ils sont là, regardez. Ils sont tous là, quoi. Ah oui. Et t'as un fusil à pompe aussi. Fallait prévenir, je serais pas venu, du coup. Super. Non, honnêtement, on est bien placé là. On est plutôt bien placé. Attendez, je vais monter. Ah, ça marche pas du tout, ça. C'est pas grave. Allez, il en reste plus qu'un. Sors ta tête! Bon, côté discrétion, là, je pense qu'on peut repasser, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une phase de tir comme ça, un peu violente. En plus, l'environnement est tellement bien ici, je trouve. Je vais faire attention à tous les sens, de tous les côtés, quoi. Heureusement que j'avais une grenade pour lui. Ça, par contre, j'aime pas du tout cette arme, en fait. Parfait. Ça, j'ai pas réussi à le toucher, quoi. Mais... Non, mais sérieusement, quoi. Crève. Crève un jour ou un autre. Voilà. Mais en fait, ils ont de grosses armures, les mecs en bas là. Celui-ci, il me résiste, et pas qu'un peu. Il y a un mec qui me tire dessus au lance-grenade là-bas, au lance-patate. Voilà. Bon, ça c'est fait. Bon!
Ah ça y est, t'as perdu ton petit casque là. Ça ne rigole plus. C'est bon, quand même. C'était plutôt intense. Ça fait plaisir, ça réveille. C'est revigorant. Non, c'était... Bon, j'ai pas été particulièrement efficace, mais j'ai pas non plus trop subi de dégâts en soi, donc c'est... Voilà. On va dire que ça passait. Ça passait. Par contre, ça, je prends. Disons que je m'en serais beaucoup mieux sorti avec cette arme-là. Là, j'aurais fait un carnage. L'environnement était parfait pour, en fait. Si vous voulez savoir, pour utiliser un sniper. Le souci, c'est qu'il y en avait qu'un seul, du coup, et c'était sur la fin qu'on a affronté le sniper adverse. Je sais pas exactement où aller, en fait. Parce que... Alors oui, il y a des passages, mais... Est-ce que c'est pas juste l'arène pour affronter tous ces ennemis? Est-ce que ça a vraiment un intérêt, par exemple, que j'aille là-haut? Écoutez, intérêt ou pas, on va les prendre de point de vue. Il y a un truc en bas, là. Il y a une lumière verte, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on y verra mieux d'ici. Alors... Il y avait un intérêt à venir ici. Et pas qu'un peu. Alors, et maintenant? Et maintenant, ben, on va se perdre dans la forêt. J'en ai bien l'impression. Alors, c'est de la lumière ou on peut grimper? Non, on peut grimper ici. Encore toi? C'est quoi ça? Non, c'est pas le même. Ils sont tous morts au pied d'un arbre ici, c'était la mode à l'époque, je crois. À quiconque trouvera cette note, sachez que Jonathan Burns, ancien chef et financier de notre expédition, m'a assassiné, moi et les autres, dans sa quête du trésor d'Avery. Il a exploité l'équipage jusqu'à la moelle, leur promettant la gloire de ne leur offrir, pour ne leur offrir que la maladie et la privatisation. Privation. Ah, je dis n'importe quoi, excusez-moi, ça fait longtemps que je tourne. Il légota un homme à un mât et il laissa mourir. Ensuite, j'ai vu ce salaud pousser notre navigateur à sa perte pour avoir osé donner son avis. Il m'a trouvé en train de boucler mes préparatifs pour rentrer au pays et m'a défié. J'ai brandi mon pistolet et je l'ai averti que je rentrais en Angleterre où j'informerai le monde entier de ses méfaits. Et quand je suis retourné, la fripouille m'a tiré dans le dos avant de s'enfuir dans la jungle. J'ai riposté mais je ne suis pas sûr d'avoir atteint ma cible. Mon temps est désormais compté. D'accord. Walter Hay, second. Wow. C'était le second du coup. C'est sinistre. The Burns. On dirait que l'équipage de Burns a eu autant de chance que moi avec ce trésor. Mais j'ai envie de grimper là-bas, mais... Ah 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 ah! Un couteau! Un petit couteau. On va essayer de retrouver Sam, peut-être, avant de s'arrêter. Je sais pas combien de temps ça prendrait, en soi. On s'en séparerait! Oh non! 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 Ah! Ah! Oh la vache! Bah, 3 secondes. J'ai failli te faire sauter le crâne. Sam, tout va bien? Ouais, c'est qu'un petit pépin de rien du tout. C'est cool de te revoir en vie, petit frère. Allez, viens. On a un trésor à trouver. Je te trouve bien pressé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment ça? Je te signale que notre matériel a sombré au fond de l'océan Indien. Eh ben, pourquoi on n'irait pas se servir dans l'équipement de Nadine? Puisque t'en parles, on fait face à toute une armée. On s'en est pas trop mal sorti jusque-là. Bah, on est quand même paumé au beau milieu de nulle part. Précisément là où on voulait se rendre. Sauf qu'on avait un plan pour s'en sortir. Ok. Bon, écoute-moi. Je te fais une proposition. Et si on descendait et qu'on allait voler un des bateaux de Rafe? Les bateaux peuvent attendre. Tu sais pourquoi on est venu ici? Pour pouvoir me racheter une vie. D'accord? Et pour ça, on va s'aventurer dans cette putain de jungle et retrouver Libertalia. Est-ce que t'as repéré quelque part des vestiges d'une colonie de pirates? Parce que moi, j'en ai pas vu. Il est un peu tard pour exprimer des doutes, tu crois pas? Mais est-ce qu'on pourrait pas au moins envisager la possibilité qu'éventuellement l'utopie secrète d'Avry n'ait pas vu le jour comme prévu? Et peut-être qu'on s'est laissé emporter par cette histoire fantastique, alors qu'en fait, on devrait chercher un véritable moyen de te sauver. Je vais passer cette île au peigne fin, centimètre par centimètre s'il le faut, jusqu'à ce que je trouve ce trésor. Alors, si toi, tu sais plus pour quelle raison tu es venu jusqu'ici, je te retiens pas, Nathan.
Attends, comment ça tu me retiens pas? Tu te fiches de moi? T'as une idée de ce que ça m'a coûté de t'amener jusqu'ici? Et moi, tu sais ce que ça m'a coûté? Hein? Ça m'a quand même coûté 15 non, longues années ça de ça n'a ma rien vie. À voir avec ça. Si, ça a tout à voir avec ça. Quoi? Regarde-moi ça. Tu veux toujours rentrer, petit frère? Allons voir si on trouve autre chose. Ah, cruel dilemme, on est d'accord, hein. Trouver un trésor, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en ferait à ce stade de notre progression? On est bloqué sur cette île, on est plutôt amoché, il faut le dire. Il y a en effet une armée à nos trousses. Et est-ce que ça réglerait vraiment le souci de Sam? Est-ce que Alcazar va vraiment vouloir sa part du trésor? Enfin, c'est pas le genre de mec à être tout à fait réglo, hein, de toute manière. De toute façon, on l'a pas revu depuis le début, mais il va nous tomber dessus un moment ou un autre, je le sens. Bref, beaucoup d'interrogations, on ne pourra pas le savoir sans progresser davantage. Là, je suis à fond, je pense que vous aussi, vous avez hâte de voir la suite du jeu. Et bien écoutez, ce sera le cas, mais du coup, il va falloir attendre l'épisode suivant. Mais là on a bien progressé quand même, c'était plutôt cool cette phase d'exploration sur cette île qui est tout bonnement magnifique. J'ai hâte du coup de reprendre ma petite session de jeu, et donc d'ici le prochain épisode, eh bien portez-vous bien. Ciao tout le monde !